De l'extérieur, il n'y a pas de doute. Cet édifice est une synagogue située dans la localité de Matzliar, dans la périphérie de Tel Aviv. Une synagogue un petit peu particulière, puisqu'ici, les fidèles doivent ôter leurs chaussures avant d'y pénétrer. Et à l'intérieur, c'est à s'y méprendre. Des tapis ont remplacé les sièges. Car les Juifs qui viennent prier ici ont pour coutume de le faire à même le sol, en s'agenouillant et en se prosternant. Des rites qui ne sont pas sans rappeler ceux de l'islam. Aux alentours de 700 ans après Jésus-Christ, pour se différencier de l'islam, le judaïsme rabbinique a décidé de ne pas continuer à prier comme les musulmans et que la prière se ferait donc désormais de façon assise et plus en se prosternant. Bienvenue dans l'une des 10 communautés juives karaïtes que compte Israël, un courant du judaïsme reconnu par l'État qui s'oppose pourtant au courant rabbinique. Alors que ce dernier domine largement le judaïsme depuis plusieurs siècles, les juifs karaïtes auraient représenté jusqu'à 40% de la population juive mondiale jusqu'au 10e siècle de notre ère. C'est à partir de là qu'ils ont commencé à être considérés comme des hérétiques par les rabbins, qui ont cherché à les exclure de la communauté juive. Les juifs karaïtes ne représentent plus qu'aujourd'hui que quelques dizaines de milliers de fidèles, dont l'immense majorité se trouve ici, en Israël. Le consistoire nous rend la vie difficile. Les rabbins nous sont très hostiles jusqu'à aujourd'hui. Il s'agit d'une hostilité historique. Dans le judaïsme karaïte, les rabbins ne sont que des messagers qui interprètent la Torah au sens propre. Ils sont en fait les intermédiaires entre les fidèles et la Torah. Alors que dans le judaïsme rabbinique, les rabbins ont autorité d'interpréter la Torah pour faire de nouvelles lois, ce qui ne correspond pas au dogme karaïte. Les juifs karaïtes ne basent en effet leur foi que sur la loi écrite, telle que la Torah l'a décrit. Selon la loi rabbinique, même si ton rabbin te dit que noir c'est blanc, tu dois lui dire amen. Le judaïsme karaïte se base sur l'idée que le bien se trouve dans la Torah et qu'il n'y a pas besoin de se fier à l'opinion d'un autre. La compréhension de la Torah dépend de l'individu. De son côté, le judaïsme rabbinique accorde davantage d'importance à la loi orale. Une loi orale interprétée par des hommes qui n'a donc rien de divin, selon le judaïsme karaïte. On peut tout à fait considérer le judaïsme karaïte comme le judaïsme originel, qui conserve les premières traditions du peuple d'Israël depuis toujours, jusqu'à aujourd'hui. Le judaïsme karaïte, c'est en fait le diamant dans la couronne. Alors que la plupart des juifs du monde entier célèbrent cette semaine Hanouka, la fête des Lumières, les juifs karaïtes n'allumeront pas de bougies cette année encore, puisque Hanouka est une fête d'institution rabbinique qui n'est mentionnée à aucun moment dans la Torah.